intervenir, c'est leur donner une formation. Parce que c'est indispensable. On ne peut plus aujourd'hui, il faut comprendre qu'un enfant d'aujourd'hui n'est pas l'enfant d'hier. Hein. C'est plus le même. Hein. Donc un enfant, il y a une autorité qui est malsaine, quelque part. Et l'autorité, c'est pas bon avec un jeune. Aujourd'hui, c'est pas bon. Par contre, la rigueur du travail, la rigueur des choses, oui. Or, moi, là-dessus, j'ai une propriété intellectuelle hein, sur la pédagogie de l'enfant, sur comment on dresse, comment on met dans les écoles, on commence dans le primaire déjà, à éduquer des enfants au sport. Un club régional. Aujourd'hui, ça vient de se concrétiser. C'est un projet, il ne faut pas que ça reste un projet, comme je l'ai dit à l'Assemblée. Il faut qu'on aille au bout et qu'on aille le plus haut possible dans la concorde, le travail et la sérénité pour que ce soit pour que la région de l'extrême sud, enfin du Valin-Taravo-Sartenay, puisse rayonner. C'est notre souhait en tant qu'à la mairie de Propriano, c'est ce que nous ferons. On va plus parler de fusion ni d'entente. Là, on est sur un projet ambitieux qui est intéressant. Maintenant, c'est à nous de faire qu'il aille jusqu'au bout. On ne peut que saluer aujourd'hui le travail qui a été fait depuis plus d'un an par les personnes présentes ici. Aujourd'hui, ce n'est pas l'aboutissement, mais le club est sur les rails et on félicite tout ce monde. On sera là pour l'aider à tous les niveaux que ce soit. Alors, on est très content de renouer avec le foot dans toute la région. On va travailler pour que ce soit une réussite avec tous les amis et tous les gens qui nous aident. En tant que représentant de la mairie de Lévis, nous sommes très fiers de faire partie de ce nouveau club qui représentera les régions du Valinco, Altaro, Caritzanis, Taravo, et de porter l'ensemble de la population et des jeunes à travers ce club de foot. Très content aujourd'hui de l'élection du nouveau club, très fier de représenter ces régions, et sans oublier quand même un remerciement à Jean-Thomas Léandre qui a donné beaucoup de sa personne depuis 6 mois pour que le club aujourd'hui sorte de terre.